Et ça nous amène à continuer à ce que nos deux prochains intervenants sont-ils arrivés? Oui, je crois qu'ils sont arrivés. Laurence a un gros sourire, donc c'est parfait. Ali aussi, parfait. Je tourne ma page, je redémarre le chronomètre. Parfait. Allô Laurence, allô Ali, comment vous allez? Allô, ça va bien, Ça va toi? bien? Super, ça va super bien, super bien. Il fait très très beau. J'espère que les gens à la maison ne sont pas trop zoomifiés. Moi, je le suis un petit peu après ma journée de travail, mais ça va bien quand même. Et on profite quand même un petit peu de la température, malgré tout, les dernières shots de vitamine D avant de rentrer en plein hiver. Alors, on va commencer par toi, Laurence. Laurence Taschereau, tu es étudiante en journalisme à l'UQAM, en tout cas en dernière année de journalisme à l'UQAM. Et tous les deux, en fait, vous avez participé, pour vous mettre un petit peu en contexte, au programme des données pour raconter. Puis vous allez voir, c'est un programme un petit peu particulier, vraiment très intéressant. Encore une fois, allez jeter un petit coup d'œil sur Internet. Je pense que le lien devrait afficher sur le chat pour voir en fait les articles qui ont été écrits en collaboration avec Ali et Laurence. Donc Laurence, comme je disais, étudiante en journalisme, et Ali, tu es également étudiant à la maîtrise en processus ingénierie, c'est ça, c'est bien ça? En Polytechnique Montréal. Ah, Ali, je pense qu'on n'entend pas ton micro. Ou est-ce que c'est juste moi? Ça se peut que ce soit Non, juste moi. on n'entend pas. Non? Juste. C'est pas grave, on va, Ali, le temps que tu gères le côté technique, Laurence, on va enchaîner. Juste préciser, les articles sont pas encore disponibles, sont en révision linguistique, donc ils devraient l'être dans le Parfait. magazine de l'ACFAS et le site de Wikimedia. Je pense que c'est au milieu du mois qu'ils vont sortir. Ok, parce qu'en fait, justement, il y avait deux articles qui sont disponibles sur le site de l'ACFAS, en fait. C'est pour ça que je suis allé voir, c'était des inégalités climatiques à rendre insomniaque, je Ah, pense que ils c'est sont ça. disponibles. Ou est-ce qu'ils sont disponibles en Ils privé? sont dispo. Ah bah en tout cas, moi j'ai pas accès de privé par rapport à OK, l'ACFAS, parce bon, que je ne parfait. travaille pas Donc, à ils sont l'ACFAS. disponibles, j'ai dit Mais n'importe quoi. ils auraient été publiés le 14 septembre 2021, en tout cas il y a quelques semaines, ou peut-être qu'ils vont l'être, et à ce moment-là, ça a leaké de mon côté. Je sais pas, peut-être que j'ai une primeur, je ne sais pas, mais toujours est-il que j'ai eu accès à vos textes. C'est des textes vraiment très intéressants, puis à la maison, encore une fois, je vous invite à les lire. M'entendez? Oui, Oui. Ali, on t'entend, OK. c'est parfait. C'est pas. Donc Ali, on va simplement te présenter avant de démarrer. Donc comme je disais, étudiant à la maîtrise à Polytechnique, hein, c'est bien ça? Oui, c'est analytique et ingénierie de données, en fait. Parfait. C'est une maîtrise qui est professionnelle dans le fond, Oui, c'est étudiant en maîtrise dernière professionnelle. année. Parfait. Et Oui, exactement. ce qui est très intéressant dans ce programme des données pour raconter, c'est qu'en fait on a deux personnes qui en fait finalement n'auraient peut-être jamais pu se rencontrer dans un autre contexte. En tout cas peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas Ivado a fait en sorte que ces deux personnes avec un parcours différent, avec un background différent, ont pu se rencontrer, s'allier pour écrire un texte et vulgariser des travaux de recherche, ou en tout cas des données, des larges quantités de données que vous avez pu voir pendant tout le long de cette journée. Donc Laurence, journaliste de formation, et Ali, maîtrise, en tout cas ingénieur de formation. Et l'idée, en fait, ça a été de vulgariser un petit peu les projets. Il y a une partie plus, en fait, données climatiques que Ali t'a pu analyser. Et ensuite, tu as rencontré Laurence pour justement essayer de raconter et trouver un petit peu une histoire. Puis, avant de vous donner la parole, moi, j'étais très surpris, en fait, quand j'ai lu le texte, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait, quand j'ai appris ce programme-là. J'ai lu le texte. Et en fait, au début, on apprend, en fait, deux personnages qui sont Gabrielle et Ginette, deux septuagénaires. Moi, je commençais vraiment à m'attacher à elles. Et en fait, comme beaucoup de textes de vulgarisation, souvent c'est des personnages. On met des personnages en scène, puis on s'attache aux personnages, puis tout le long du texte, on apprend un peu plus ces personnages qui sont 100% fictifs. En tout cas, c'est souvent ça, c'est une technique de vulgarisation assez classique. Mais en fait, en plein milieu du texte, j'ai vu la photo de Gabriel et Ginette, et j'étais vraiment surpris, puis très agréablement surpris de voir qu'en fait c'était des vrais personnages et que derrière, en fait, il y avait vraiment eu une étude sur le terrain et vraiment très très intéressant. Je parle beaucoup trop, donc Laurence, je te donne la parole. Donc c'est un petit peu le contexte pour vous donner un petit peu l'idée de comment est-ce que s'est passée cette rencontre et ce programme-là. Laurence, est-ce que tu veux commencer? Comment est-ce que tu as vécu cette expérience-là? Puis ensuite, on passera la parole à Ali. Oui, ben moi c'était, merci, merci Thomas. C'était une introduction dans le monde des sciences. En fait, comme tu l'as dit, je suis
Je suis finissante en journalisme et puis ça fait partie de comment on raconte une histoire souvent en journalisme. On va partir de petite échelle, donc de faits, de personnes, d'histoires pour refléter les chiffres. Donc je pense que ça l'a servi justement à à la cause, étant donné qu'on partait avec une quantité incroyablement grande de données brutes. Et puis là, notre mandat, c'était de raconter ces données-là et comment les raconter mieux qu'avec des histoires humaines. Donc, c'était vraiment mon apport au projet finalement parce que je n'ai pas d'expérience en traitement de données. Ça a vraiment été la partie d'Ali. Et puis peut-être plus tard, on pourra parler de notre collaboration qui a vraiment été enrichissante. Ça a été très formateur pour nous et pas du tout comment on pensait avoir à collaborer. Je ne sais pas si ça vient plus tard ou je l'aborde. Absolument, absolument. Ça va venir plus Justement, tard. je vais passer la parole à Ali par rapport à ça. Justement, comment est-ce que ces données-là, comment est-ce que ça s'est passé le processus? Ces données-là, tu les as eues? Est-ce que tu avais une hypothèse de recherche à la base? Comment est-ce que tu t'es pris justement pour analyser ces données? Puis qu'est-ce qui est sorti de tout ça un petit peu pour vulgariser faire une petite synthèse de l'article en question? En fait, ce que on a commencé avec, nous deux, on avait deux projets différents dans notre tête quand on commence le projet. Donc, moi, j'ai commencé à faire comment dire, comme un portal pour donner les utilisateurs, donner une opportunité de découvrir les données, de visualiser les données. Mais j'avais pas une histoire dans ma tête pour visualiser les données. Je voudrais bien de donner les utilisateurs de découvrir son propre histoire. Mais ce que Laurence a dans sa tête, c'était l'histoire. Donc, on a commencé comme ça et petit à petit, on a convergé en fait. On a commencé à travailler ensemble, et on a écouté les uns les autres et après petit à petit, on a trouvé notre chemin. Mais le En fait, donné, c'était l'envie. ouais. Laurence, est-ce que tu veux rebondir? Je vois que tu ouvres ton micro. Est-ce que tu veux rebondir sur ce que dit Ali? Ça, c'est que c'était particulier parce que on partait pas avec on a partait avec des chiffres et notre mandat, c'était voici, faites parler ces chiffres-là de 8 000 stations météorologiques à travers le Canada, mais on partait pas avec un projet précis. Donc, ce qu'on a dû apprendre à la dure en menant des entrevues avec des climatologues, des experts en environnement, en eau fluviale, en agriculture, en justement îlots de chaleur, c'est que c'est extrêmement difficile de faire parler des données brutes quand on ne les croise pas avec d'autres chiffres. Donc, étant pas des experts, on devait vraiment se fier aux études qu'on a lues et tout. Donc, moi, je partais avec une idée sur le terrain, mais de là à ce qu'elle se transmette, cette hypothèse dans les chiffres, des fois, c'était un casse-tête parce que ce n'était pas le cas et on ne pouvait pas forcer les choses finalement. Puis là, ça, ce qui est intéressant aussi dans l'article, c'est qu'à la toute fin, en fait, vous expliquez tous les défis que vous avez rencontrés, que vous n'êtes pas des climatologues à la base, ni l'un ni l'autre, que vous avez dû rencontrer des chercheurs pour vraiment aller gratter, être certain que les données que vous avez, vous ne tirez pas par les cheveux vos résultats dans le sens où vous n'extrapolez rien, vous essayez de voir absolument, puis d'être le plus objectif possible, comme ce devrait être la recherche de tous les jours. Et encore une fois, cet aspect, on va sur le terrain que Laurence a pu mener, apporte vraiment une touche très humaine en fait à l'article. Puis c'est, en tout cas, je parlais de Gabriel et Ginette, j'aimerais ça beaucoup les rencontrer, Gabriel et Ginette, je dois l'avouer, mais En fait, c'est la qui... même chose dans dans deuxième article aussi. On parle des fermiers aussi. Donc, Ça plus avec un pan agriculture, si je ne me trompe pas. oui, C'est ça. exactement. Mais on est aussi allé sur le terrain à la rencontre d'agriculteurs pour comprendre c'est quoi la réalité du terrain. C'était très important pour nous de pas justement d'avoir la réalité du terrain à travers les chiffres. Voilà. Puis est-ce En que... fait, Oui. si je peux pas juste Oui, vas-y, ajouter vas-y. quelque chose. C'était comme Laurence parle avec des gens et des experts. Elle trouve quelque chose, elle lui donne une piste de travail et après, on parle ensemble, comme deux, trois fois chaque jour. Et j'essaie de trouver ce que Laurence a trouvé dans les données. Parfois, les données sont très grandes ou même il n'y a pas ce qu'on veut. Par exemple, les données sont observées chaque jour, mais on a besoin de données horaires, par exemple. Donc, toujours on essaye de faire de façon que tu peux montrer dans les données ce qu'on a trouvé dans le terrain avec les experts, avec les entrevues avec les experts.
Puis justement, Alice, ce qui est intéressant, c'est que juste avant, on avait deux personnes qui ont vulgarisé oralement, qui ont vulgarisé par écrit. Puis toi, Ali, j'ai l'impression que tu as eu en fait les deux faces de ce travail-là, non seulement de vulgariser toi tes travaux à l'écrit pour écrire le texte pour cet article-là, mais aussi de transmettre à Laurence avec enlever tous les mots barbares qu'il peut y avoir en informatique, en tout cas tout ce que tu peux voir Exactement. de manière générale, Exactement. et réussir à le communiquer pour que Laurence te comprenne et qu'elle envoie, qu'elle transmette le message au mieux. Comment est-ce que tu as trouvé justement ce défi-là? Oui, exactement. Même parfois, j'ai utilisé, par exemple, les termes statistics pour faire l'analytique de données. Mais quand Laurence peut pas comprendre cette mot, cette façon que j'ai fait, cette terme que j'ai utilisé, donc on enlève cette partie-là. Et on a essayé de trouver une autre façon pour dire notre histoire, parce que quand c'est difficile pour Laurence, c'est plus difficile pour les autres, parce que c'est Laurence, même avec des études universitaires, quand elle comprend pas, par exemple, un terme statistique, donc c'est plus difficile pour les utilisateurs, les publics généraux, en fait. C'est un Donc, on très a bon essayé de choix. trouver une autre Ouais. façon. J'étais comme le test de vulgarisation dans le sens où si je comprenais pas, même si on en parle, quand Ali m'expliquait quelque chose puis je comprenais pas, c'était le moment où est-ce qu'il fallait retravailler une partie du texte parce que là, donc d'où la collaboration qui était très intéressante parce que seule, j'y serais pas arrivée et Ali serait pas arrivée seule non plus parce que c'est ça, nos compétences sont tellement complémentaires. Ouais. Alors, en tout cas, c'est vraiment un beau, très beau programme, puis une belle complémentarité de deux univers qui devraient beaucoup plus collaborer. Moi, je défends, c'est une perception, en tout cas, c'est très personnel, mais je défends ça, cette collaboration entre scientifiques et journalistes, pour encore plus le raconter au grand public et faire en sorte que la science soit de plus en plus accessible au plus grand nombre. Et justement, si on parle un peu plus pratico-pratique, comment est-ce que le jumelage s'est fait? Donc, tous les deux, vous avez appliqué, j'imagine, au programme Ivado. Puis ensuite, ça a pris combien de temps pour écrire tout ça? Combien de temps pour analyser? Combien de temps pour raconter? Finalement, la genèse a commencé quand? En pleine pandémie? Avant? Après? Comment ça s'est passé? Je vais me lancer. Ouais. Bon, ça a commencé. Au mois de mars, on nous a approchés et puis finalement, on a commencé à collaborer ensemble début mai. On avait dans la tête de grandes idées. On pensait faire, je pense que c'était 5 ou 6 textes. Moi, je pars d'un milieu où justement, où est-ce qu'on produit beaucoup et le temps de recherche est assez restreint. Puis là, j'ai complètement déconstruit cette idée-là parce qu'on me donnait du temps pour aller parler à énormément d'experts et lire des textes. Donc, on a pu, finalement, on a fait 2 textes, mais vraiment plus complets. Et puis, ça a été la beauté de notre collaboration, c'est que en journaliste, on ne peut pas vraiment écrire un article où est-ce qu'on dit nos résultats ne se sont pas avérés. Sont pas avérés vrais dans les chiffres. T'sais. Quand ça s'avérait pas vrai dans les chiffres, on tournait vers autre chose. Donc, ça a été comme un peu du journalisme d'enquête avec les chiffres. Puis, on pensait être capable au début de se parler, pas qu'on s'aime pas, là, mais de se parler comme une fois semaine, de faire des comptes rendus, puis finalement faire chacun nos choses. Mais on s'est rendu compte qu'on avait tellement besoin l'un de l'autre. Quand j'avais une hypothèse suite à une entrevue avec un expert, j'en faisais part à Ali, aller regarder dans les chiffres, il me revenait dans la journée ou le lendemain. Donc finalement, on se parlait à tous les matins, on se faisait une réunion, ou OK. des fois 2 fois par jour, on avait un chat aussi où est-ce qu'on parlait ensemble toute la journée. Donc on a dû collaborer à notre grande surprise assez étroitement à tous les jours, finalement. En fait, on n'avait pas comme une phase de terminer, une phase d'analytique, une phase entre eux, et après faire le rapport. On a fait tout en parallèle. Donc, on avait notre rapport ouvert et après, on avait notre analytique. Donc, quand on trouvait une nouvelle chose, on a essayé sur notre donnée. On a ajouté à notre rapport. Après, on montre notre rapport aux experts chez Environnement Canada. S'ils vérifient, OK, sinon, on essaye une autre chose, on parle des autres. Donc, c'était comme un cirque, c'était pas un parallèle. Donc, on a essayé toujours de vérifier et corriger notre rapport, notre travail et notre analytique. Donc, c'était pas comme 2 semaines sur analytique, 1 semaine sur rapport, non. C'était toujours comme toujours une communication entre moi et Laurence et compléter notre travail. Mais oui, c'était comme un ou un mois et demi sur rapport 1 et après rapport 2. Mais
tout ce qu'on a fait sur notre rapport, c'était comme en parallèle. Ce n'était pas comme toutes différentes choses et on termine analytique et après on fait le rapport. Puis pour terminer, parce que je vois que le temps file, une vraie question 2020-2021. Vous êtes-vous déjà rencontré en vrai ou est-ce que tous vos meetings étaient en virtuel? Une fois. Okay. Une seule et une fois, à la toute fin de notre collaboration, on est allé dîner avec une personne du Vado, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, merde. Et puis nos superviseurs de stage, donc Joanne à l'ACFAS et Aloane à Wikimedia Canada. Puis juste pour terminer aussi, quelque chose qu'Ali a mentionné, un des gros points, si je peux vendre un peu le programme, là, un des gros trucs qui était le fun, c'est de pouvoir avoir justement cet accès-là à des gens d'environnement changement climatique Canada pour revérifier qu'est-ce qu'on disait, s'assurer qu'on ne disait pas d'absurdité justement, parce que je le répète, on ne se prétend pas être des experts en climat. Donc ça a été bien d'avoir cet accès-là. Spécialement Michel Tremblay, en fait. Ouais, Michel Tremblay d'environnement changement climatique. Miguel Tremblay. Miguel Tremblay. Miguel Tremblay. Miguel, le message est passé. Et c'est toujours bon aussi de faire relire ces textes, s'assurer qu'on double-check les informations qu'on essaie de donner pour s'assurer de la qualité de ce qu'on écrit et de ce qu'on produit. Merci beaucoup à tous les deux, Ali et Laurence, pour Merci votre entrevue. Très bonne journée et j'espère que vous aurez la chance de recollaborer ensemble et qu'on aura la chance peut-être de se voir en vrai, en tout cas je l'espère, parce qu'on a un peu tanné du virtuel quand même. Merci beaucoup Laurence. Merci. Ouais, hein. Merci Merci à vous. Toi. Merci beaucoup, Ali. Bye. À bientôt.